Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, je vais parler de la dévotion Sainte-Paix de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a révélé à Sœur Marie Marthe Chambon le chapelet au Sainte-Paix. Et je vais vous citer un peu les grâces de notre Seigneur à cette dévotion Sainte-Paix. Je donnerai tout ce qu'on me demande par l'invocation de mes Saintes-Plaies. On doit en répandre la dévotion. En vérité, cette prière, le chapelet des Saintes-Plaies, ne vient pas de la terre mais du ciel et elle peut tout obtenir. Mes Saintes-Plaies soutiennent le monde. Demande-moi de les aimer toujours parce qu'elles sont source de grâce. On doit les invoquer souvent et attirer notre prochain pour imprimer dans son cœur le dévouement envers les âmes. Quand vous avez des peines à souffrir, apportez-les tout de suite dans mes plaies et elles seront adoucies. Cette invocation est à répéter souvent auprès des malades. Mon Jésus, pardonnez-moi et prenez pitié de moi par les mérites de vos saintes plaies. Cette prière élèvera l'âme et le corps. Le pécheur qui dira: Père éternel, je t'offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes, obtiendra la conversion. Mes plaies panseront les vôtres. L'âme qui mourra dans mes plaies ne connaîtra pas la mort, elle donne la vraie vie. À chaque mot de ce chapelet des saintes plaies, je laisse tomber une goutte de mon sang sur l'âme d'un pécheur. L'âme qui honorera mes saintes plaies et les offre au Père éternel pour les âmes du purgatoire sera accompagnée à sa mort par la très sainte Vierge et par les anges, et moi, resplendissant de gloire, je la recevrai pour la couronner. Les saintes plaies sont le trésor des trésors pour les âmes du purgatoire. La dévotion à mes saintes plaies est le remède pour ce temps d'iniquité. De mes plaies viennent les fruits de la sainteté. En les méditant, vous y trouverez toujours une nouvelle nourriture pour pour votre amour. Alors, je vous mettrai le lien vers pour prier le chapelet des saintes plaies. On peut le prier sur un chapelet normal. Donc, voilà. Sur la croix, on récite la prière suivante. Ô Jésus, divin Rédempteur, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, ayez pitié de nous et du monde entier. Amen. Grâce et miséricorde, mon Jésus, pendant les dangers présents, couvrez-nous de votre sang précieux. Amen. Père éternel, faites-nous miséricorde par le sang de Jésus-Christ, votre Fils unique. Faites-nous miséricorde, nous vous en conjurons. Amen. Donc sur les gros grains, Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Sur les petits grains, mon Jésus, pardon et miséricorde pour les mérites de vos saintes plaies. À la fin du chapelet, on récite trois fois. Père éternel, faites-nous miséricorde par le sang de Jésus-Christ, votre Fils unique. Faites-nous miséricorde, nous vous en conjurons. Amen. Voilà, donc je vous mettrai aussi le lien vers ce site de la voyante, enfin de l'âme privilégiée qui est Marie-Marthe Chambon, de la Visitation Sainte Marie de Chambéry. Voilà, bonne prière, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.